dans Rencontre, l'émission dans laquelle vous avez rendez-vous avec votre avenir. Peut-être dans l'univers du journalisme, de la communication et du marketing, si c'est ce qui vous intéresse. En tout cas, la rencontre que je vous propose aujourd'hui, c'est avec Emmanuel Carré. Vous êtes... Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur... je vais vous laisser vous présenter, d'ailleurs, parce que c'est la première partie de notre émission, puisqu'on est sur la thématique rencontre avec le speed dating. C'est tout de suite. Emmanuel, vous avez 2 minutes pour vous présenter. Alors, et pour donner envie un petit peu à notre public d'en savoir plus sur vous et sur l'école que vous représentez, mais aussi sur la thématique du jour, s'orienter dans le monde des médias. D'accord, donc ça fait beaucoup de questions en une, donc je vais faire court. Donc moi-même, je m'appelle Emmanuel Carré, je dirige l'école ISCPA à Paris, qui est près du canal Saint-Martin. On a également un campus à Lyon et à Toulouse. Personnellement, je suis dans l'enseignement supérieur depuis 25 ans. Je suis docteur en sciences de l'information et j'ai écrit pas mal d'ouvrages sur l'orientation chez des éditeurs comme Ellipse ou L'Harmattan. Et donc, chaque année, j'ai l'occasion de rencontrer quelques centaines d'étudiants qui se posent les questions que vous allez sans doute me poser, à savoir comment on fait pour s'orienter, comment on choisit son école, est-ce que je vais plutôt vers une carrière artistique ou est-ce que je vais plutôt vers une carrière dans des métiers du management, de l'organisation. Et il y a encore une troisième catégorie de métiers dans les médias qui concerne les métiers du journalisme. Voilà, donc c'est assez bien segmenté. Et vous avez dans ce salon l'occasion d'aller voir beaucoup d'écoles qui vous préparent à ces métiers-là. Oui, et justement, on va passer à la deuxième partie de notre émission pour vraiment rentrer dans le cœur de notre sujet du jour, s'orienter dans le monde des médias. Donc. Et donc cette deuxième partie d'émission s'appelle Plus si affinité. Le but, c'est vraiment de découvrir un peu plus le secteur dont on parle pour savoir si c'est un secteur qui est fait pour vous. Alors, on va parler d'abord des métiers du journalisme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu historiquement et de manière concrète à quoi s'attendre si on s'oriente vers les métiers du journalisme ? Alors, les métiers du journalisme, eux, ils forment une catégorie de métiers à part entière. Il y a 4 grands débouchés. Il y a la presse écrite traditionnelle qui n'est pas très loin du web, qui lui est en plein développement. Il y a le journalisme dans le domaine de la radio et le journalisme dans la télévision. Et aujourd'hui, quelle que soit la spécialité qu'on apporte en plus, en disant je suis dans le journalisme politique, géopolitique, le sport ou autre, de toute façon, il faut savoir écrire, entre guillemets, puisqu'on parle d'écriture journalistique, dans ces 4 domaines. Savoir tourner un reportage, savoir faire un papier, savoir concevoir un podcast ou une émission comme celle qu'on est en train de faire. Effectivement. Et l'ISCPA forme également au métier de la communication. Et la communication, ça fait également partie du monde des médias. Quel métier ça regroupe? Quelles aptitudes Les journalistes aiment bien qu'on distingue précisément les métiers du journalisme et les métiers de la com. Et si on dit à un journaliste qu'il fait de la com, en général, ça ne lui plaît pas. Ce qui est normal, puisque ce n'est pas la même nature d'activité. Le journaliste, il va faire de l'investigation. Il va chercher dans l'environnement à expliquer ce qui se passe, qui est nouveau et que le grand public a intérêt à connaître et à savoir. Donc ça demande des qualités d'investigation, de curiosité, qui ne sont pas celles qu'on attend de quelqu'un qui va vers des métiers de la com, où là, ce qu'on cherche, c'est à valoriser, faire connaître un produit, un événement, une activité. Et aujourd'hui, ça se fait y compris de plus en plus sur les réseaux sociaux, avec notamment tout ce qu'on appelle le marketing d'influence. Et puis, il y a une autre catégorie de métiers qui n'est pas très loin du journalisme et de la com en termes de secteur d'activité, parce qu'on est dans les industries culturelles et créatives à chaque fois. Et cette troisième catégorie de métiers, c'est tout ce qui concerne la production, c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser une émission, le tournage d'une série, la tournée d'un artiste, un événement comme un festival. Et là, ça va demander des compétences pour conjuguer les impératifs technique, qu'est-ce qu'on met comme caméra, comme lumière, etc.
mais aussi budgétaire, humain, qu'est-ce qu'on a comme ressources, comment on organise la billetterie, et ainsi de suite. Donc, journalisme, com, en pleine mutation, en pleine évolution, et production, où là, on est dans les coulisses de la préparation d'un événement ou d'un objet artistique. Et comment se présentent les marchés de l'emploi dans ces secteurs aujourd'hui, et quelles sont les tendances pour les années à venir ? Alors, je vais sortir la boule de cristal. Pour le journalisme, ce qu'on voit, c'est que... Enfin, d'ailleurs, le point commun, c'est le développement autour du numérique. Et donc là, les générations de tous ceux qui sont nés après l'an 2000, ils ont devant eux un Eldorado parce que tout se numérise. Et là, on le voit bien dans les dialogues qu'on a, puisqu'il s'agit de rencontres. Hein, on rencontre autant les parents que les jeunes. Les jeunes passent 5 heures par jour à scroller leur mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est journaliste, on sait qu'il faut arriver à s'adresser sur des canaux de communication sur mobile si on veut faire son métier à destination de ce public-là. Et peut-être que les personnes qui nous regardent là en ce moment sont en train de scroller aussi sur leur mobile. Sans doute. Ils sont peut-être en train de regarder notre bio, notre compte sur LinkedIn. Donc ça veut dire que tous ces dispositifs, il faut qu'on les mette en action auprès des jeunes qu'on forme pour qu'ils soient prêts à vivre dans ce monde-là. Et une fois qu'on a dit ça, avec le numérique, il y a de l'avenir. Il suffit d'imaginer tous les génériques des films, des séries et des émissions qui passent partout. Vous voyez qu'il y a à chaque fois besoin de recourir à tout un tas de personnel qualifié pour monter ce type de projet. Et quelles sont les difficultés dans ces métiers et dans ces secteurs aujourd'hui ? Alors, la difficulté, je pense que c'est le fait qu'il faut vraiment être passionné, engagé. Parce que ce sont des métiers dans lesquels on est souvent sélectionné par cooptation. À la différence peut-être de parcours plus balisés dans le monde industriel, par exemple, dans lesquels les compagnies, les entreprises recrutent avec des annonces, choisissent des CV, ont des processus de recrutement un petit peu institutionnels. Dans le journalisme ou dans la prod en particulier, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors on dit que ça marche par réseau, c'est vrai, ça marche... par cooptation, c'est-à-dire que on va solliciter quelqu'un qu'on a déjà vu à l'œuvre à l'occasion de tel reportage, tel festival, telle opération. Dis donc, tu pourrais pas le rappeler, est-ce qu'il est disponible ? Et c'est comme ça que les métiers se forment. On voit rarement une annonce disant Le Figaro recrute journaliste, profil 3 ans d'expérience, telle école. Ça marche pas comme ça. Ça se fait, encore une fois, par cooptation. Donc une des difficultés qu'on peut ressentir a priori, c'est de se dire ça commence mal parce que moi je connais personne dans le monde des médias. Et là c'est vrai qu'une école spécialisée, elle offre l'avantage de vous mettre tout de suite dans le bain. Oui voilà, comment développer ce réseau justement ? Justement en suivant une formation qui est immersive je dirais. C'est-à-dire que plus on vous met dans un contexte où vous allez rencontrer des professionnels qui vont partager leur savoir-faire, qui vont vous... voir à l'œuvre, qui vont vous confier des missions réelles, plus vous-même vous développez votre carnet d'adresses et plus vous démontrez des compétences auprès de tas de gens. Je veux dire, à l'ISCPA, quand on a un cours de journalisme, ça peut être... j'ai un exemple en tête, je pense à Guillaume Serrin, je peux le citer, hein, c'est un des anciens de l'ISCPA, qui travaille aujourd'hui pour LCI. Donc il fait la matinale de LCI le matin et puis l'après-midi, il revient faire l'exercice. Et alors, il fait une matinale l'après-midi, mais ce n'est pas anachronique parce que les jeunes voient exactement comment ils traitent l'actualité, les dépêches sur le fil AFP, et ainsi de suite. Eh bien, ça tombe bien. Vous avez mentionné un métier, par exemple, là, pour le journalisme. Est-ce que vous pouvez mentionner un ou deux métiers également pour le secteur de la communication et pour la production, pour qu'on puisse un peu plus se projeter et peut-être nous rajouter avec ces métiers, quelles sont, selon vous, les aptitudes personnelles à avoir ? D'accord. Y a beaucoup de points communs. Donc, sur les aptitudes, de manière globale et pour les trois, c'est d'ailleurs ce qu'on teste lors de nos épreuves d'admission, il y a la curiosité par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. Alors, c'est par définition vrai pour un journaliste qui doit être à l'affût de la recherche d'informations, mais en communication ou en production, il faut être au courant de ce qui se passe, des tendances, des artistes qui sont en train de percer, des projets qui sont en train d'avoir lieu, de ce qui se passe dans l'environnement immédiat ou national ou autre. Donc la curiosité, c'est une qualité importante. Deuxième qualité, comme ça un peu générique,
c'est l'opiniâtreté. Et puis, peut-être une grosse part de passion, d'engagement. Une fois qu'on a dit ça, on peut donc devenir journaliste. J'ai donné des exemples. Dans la communication, eh bien, on peut être, par exemple, directeur artistique et s'occuper d'encadrer un projet de conception d'une publicité, par exemple. Donc, avec qui on va travailler, qu'est-ce qu'on va choisir comme logo, dans quel canal on va aller diffuser la création de contenu sur laquelle on a travaillé. Donc ça peut être dans des métiers d'agence, ça peut être directement chez l'annonceur quand on lance une campagne de lancement d'un nouveau produit. Donc chez l'annonceur, ça veut dire que vous allez être embauché par la SNCF, Monoprix ou chez la BNP. Ou une start-up. Ou une start-up pour faire connaître vos produits sur les réseaux sociaux, sur l'affichage, etc. Ça serait plutôt pour la com. Dans la com, il y a également toute la partie événementielle. Et là, on rejoint aussi la prod, la production, c'est-à-dire la capacité à faire un projet, par exemple, comme être celui-ci. Tourneur pour un artiste. Oui, aussi. On s'occupe d'un artiste et il a tout un plan de concerts prévus dans différentes dates, différentes salles. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui manage l'artiste. Mais ça peut être dans la distribution de films dans les cinémas. Ça peut être, aussi dans du numérique. Chez Allociné ou dans des réseaux de type Netflix, OCS, etc. Et ça peut être également la réalisation de ce genre de vidéos que vous êtes en train de regarder, de plateaux télé. Ben oui, pour ça je demandais en arrivant à vos collègues, qu'est-ce que vous utilisez comme type de régie, comment ça va être diffusé, etc. Parce que quand on est dans ce métier-là, ça va un petit peu plus loin que les médias. On a un regard sur... Les canaux de diffusion, de distribution de l'information qu'on va produire. Quoi. Et ça rejoint la curiosité que vous avez mentionnée tout à l'heure. C'est possible. On va passer à la troisième partie de cette émission. C'est l'heure des confidences. Dans cette partie, on va rentrer un peu plus dans l'intimité du secteur, peut-être également de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, le regard que vous portez sur ce secteur aujourd'hui ? Bah, c'est un secteur qui est très riche et qui est passionnant. Moi, en plus, j'ai longtemps travaillé dans des secteurs différents, en école de commerce et en école purement artistique. Et là, je trouve que ça fait une bonne synthèse parce que les candidats qu'on voit, souvent, ils ont une vocation ou ils ont une vraie envie de faire quelque chose. Donc, en fait, ils se demandent par quel chemin passer parce qu'ils savent qu'à la fin, ils veulent travailler ailleurs que derrière un écran d'ordinateur toute la journée, ailleurs que dans un bureau. Ils veulent être aux prises avec ce qui se passe dans le monde créatif, culturel, dans l'événement, dans ce qui bouge. Et c'est le cas avec les trois secteurs aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a aucune année qui ressemble à une autre année. Et une année, on va faire un projet avec des jeunes qui vont monter un concert dans le cadre de la filière production. L'année d'après, ils vont avoir une autre idée et ils vont faire une comédie musicale. L'année d'après, ils vont monter un festival de théâtre. Et ça fait partie de la formation. Et c'est eux qui mènent les projets. Donc les encadrer, c'est un vrai bonheur. Et quels sont justement les types de méthodologie ou la pédagogie utilisée à l'ISCPA ? Un, deux, oui. Il y a de l'immersion, il y a une dimension qui est un peu académique, mais je crois que le grand changement par rapport au lycée, c'est qu'il y a une continuité dans les enseignements. Je m'explique. Quand on est au lycée, souvent, on a le lundi de 9 à 10, le cours d'anglais, de 10 à 11, histoire géo, et de 11 à 12, maths. Et ça, toutes les semaines. Et ces matières-là ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire que si on sort du cours de maths, on ne va pas réutiliser le concept qu'on a vu avant en histoire géo ou en anglais. Alors que dans les écoles comme la nôtre, on est avec des fils conducteurs, des fils rouges, qui font qu'on est toujours en train d'apprendre en rapport avec le métier, en rapport avec le projet qu'on est en train de développer. Il y a une interconnexion. C'est forcément lié. Donc, bien sûr, il va y avoir des enseignements un peu académiques. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va venir expliquer les enjeux géopolitique en Ukraine pour préparer un article pour les journalistes. Mais en même temps, on va aussi aller interviewer quelqu'un dans une ambassade ou quelqu'un au ministère de la Défense ou quelqu'un quelque part qui fait qu'on va avoir un éclairage aux prises avec
l'immédiateté de ce qu'on est en train d'apprendre. Donc il y a pas, on peut pas dire qu'il y ait de la théorie d'un côté et de la pratique de l'autre. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive en permanence à interpénétrer les deux. Et comment s'orienter face au choix, à la multitude d'écoles qui se proposent à soi quand on est intéressé par ce secteur, en tout cas du journalisme, de la communication et même du marketing, puisque c'est la thématique rencontre du salon. Ouais. Bah, c'est la vaste question. C'est pour ça qu'il y a des salons, c'est pour ça qu'il y a des journées portes ouvertes. Donc moi, j'incite les personnes qui s'intéressent à ce secteur à aller voir concrètement dans les établissements comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel, à qui est-ce que l'établissement appartient, est-ce que c'est une fédération d'associations, là je cite le cas de l'ISCPA, on fait partie d'un groupe indépendant qui est organisé comme une fédération d'associations, est-ce que c'est une pure logique privée avec un fonds de pension qui va sans doute aussi avoir comme intérêt de collecter des dividendes à la fin, est-ce que c'est une université, par quoi et comment les diplômes sont reconnus. Là aussi, il faut faire une parenthèse parce que il faut avoir en tête qu'il y a deux grands parcours. Il y a le parcours universitaire classique et il n'y a que l'université qui a le droit, par exemple, de délivrer un diplôme qui s'appelle licence. C'est prérogative de l'université. Donc moi, à l'ISCPA, même si je forme bien les jeunes à Bac plus 3 qui sont employables et qui deviennent, par exemple, journalistes, j'ai pas le droit de leur délivrer un diplôme qui s'appelle licence en journalisme. J'ai pas le droit. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je fais comme mes collègues d'école de commerce, d'école d'ingénieur ou d'école artistique. Je délivre un diplôme qui s'appelle bachelor. Pourquoi ? Parce que c'est la traduction internationale de licence dans tous les pays du monde. Et le programme qu'on a bâti en journalisme, mais en com et en prod, il est conçu dans une logique de lisibilité internationale. C'est-à-dire qu'il y a des crédits ECTS, on peut faire des semestres à l'étranger, on peut continuer ses études avec notre bachelor à l'étranger, mais encore une fois, on n'a pas le droit d'appeler ça licence et de lui faire correspondre un strict titre universitaire. Heureusement, dans les formations, en tout cas à l'ISCPA et dans la plupart des écoles, on a la possibilité également de délivrer ce qu'on appelle un titre certifié. C'est un référentiel de compétences qui est enregistré par l'État au journal officiel et qui donne une équivalence au diplôme. Par exemple, les journalistes vont donc avoir leur bachelor plus un titre niveau 6 en journalisme qui fait que si un jour ils veulent par exemple passer un concours de la fonction publique pour devenir contrôleur des impôts, soyons romantiques. Il existe une équivalence. Il existe une équivalence. On leur dira, qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Il va dire, j'ai fait un diplôme en journalisme. Et regardez, j'ai un titre niveau 6 enregistré à France Compétences. Ah, OK. Vous avez donc l'équivalence d'un bac plus 3. Donc, je pense que c'est à ça qu'il faut être attentif. Si on est dans une filière balisée à l'université, on sait que ça va être très théorique, mais qu'il y aura à la clé un diplôme qui s'appellera licence et qui donnera accès éventuellement à d'autres types d'études ou de formations après. Si on passe par des écoles professionnalisantes, il faut regarder où on met les pieds et s'assurer qu'il y a bien tous ces niveaux de reconnaissance de la formation pour que ce ne soit pas uniquement une aventure ou une passion, mais bien un niveau de reconnaissance pour la vie professionnelle après. Et justement, quel conseil vous donneriez pour faire son choix entre le parcours universitaire et le parcours des écoles ? Qui peut être complémentaire, hein, d'ailleurs. Alors, il peut être complémentaire. Ça dépend un peu de... Moi, il se trouve que dans mon histoire à moi, j'ai fait les deux. J'ai à la fois un parcours en école et un parcours à l'université. Ça dépend un peu du tempérament du jeune. L'université, c'est par définition académique. Donc, ça veut dire qu'on apprend beaucoup à l'université, mais de façon autonome, souvent dans des grands groupes, à partir d'amphi ou de TD, dans lesquels il faut beaucoup... se rapprocher de la littérature, de ce qui a été écrit, il faut lire, faut s'intéresser en profondeur au sujet. Donc on développe des vraies qualités intellectuelles et c'est très formateur en termes de recherche. Mais il y a la plupart en sciences sociales, il faut quand même avoir en tête qu'il y a 6 étudiants sur 10 qui remettent à la fin de l'année leur titre en jeu. Ils ont fait une première année à la fac et 6 fois sur 10, soit ils arrêtent, soit ils redoublent, soit ils font autre chose. 6 fois sur 10, c'est pas négligeable. C'est beaucoup. Donc ceux qui se disent « je vais essayer parce que pour des raisons budgétaires, les droits d'inscription sont pas très élevés, je tente ça »,
ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils soient prêts à passer le cap de cette sélection académique pour faire autre chose après. Ceux qui sont un peu plus sûrs de leur choix d'orientation et qui savent que vraiment c'est ce métier qu'ils veulent faire, bah moi je leur conseillerais de se donner les chances de le faire en accédant tout de suite à un cursus professionnalisant. Et je reviens sur, donc je referme la parenthèse de l'université, oui. Et je reviens sur les conseils. Vous disiez donc se renseigner pour faire son choix d'orientation, donc bien se renseigner sur l'école qu'on choisit également, oui. Peut-être rencontrer des professionnels. Alors ça, c'est quelque chose qui est important aussi, surtout qu'il y a, j'ai vu dans les rencontres là, que vous organisez, il y a des élèves qui viennent de classe de première. En terminale, c'est pas trop tard, mais le calendrier va vite avec Parcoursup. D'ailleurs, toutes les écoles ne sont pas sur Parcoursup, hein, rassurez-vous, il y a des moyens d'accéder à des formations. C'est pas le Graal, hein, Parcoursup. Hein. Alors attendez, j'ai perdu le fil. Rencontre des professionnels, c'est un conseil que vous donneriez pour choisir son orientation. Exactement. Ceux qui sont dès maintenant en première, je leur conseille de se donner du temps pour demander autour d'eux, s'ils ont un métier en tête, à rencontrer les cousins, voisins, copains, relations qui travaillent dans tel domaine et organiser une rencontre, hein, puisque vous tenez à ce mot-là, autour d'un café dans laquelle la personne peut expliquer son métier. Je ne dis pas même de faire un stage ou une période d'observation, mais déjà commencer à discuter vraiment de qu'est-ce que tu fais de tes journées, est-ce que tu peux me montrer ton emploi du temps, qu'est-ce qui est agréable dans ton métier, qu'est-ce qui est rébarbatif. Qu'est-ce qui est intéressant et se faire une idée avec des vraies rencontres de professionnels du secteur. Ça donne en général un peu de motivation pour s'orienter. C'est déjà pas mal. Et donc pour savoir si ça match ou pas, on va passer à la quatrième et dernière partie de cette émission, le crush. Donc dans cette dernière partie, il est vraiment déterminant de savoir pour vous si cet univers journalisme, communication, marketing et là notamment production va être fait pour vous, va vous intéresser ou pas. Quelle est selon vous la chose qui va montrer qu'un jeune est destiné à cet univers en dehors de la curiosité, on en a parlé tout à l'heure. Bah, y a de l'amour et des preuves d'amour. Hein. Donc quelqu'un qui passe l'entretien chez nous en disant « je m'intéresse beaucoup au journalisme », on va lui demander en particulier « qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ?» Donc ça paraît logique comme question, ce n'est pas un piège. Et selon la réponse, on verra l'intensité des efforts que la personne fournit pour se tenir informée, pour s'intéresser à des sujets. Donc en communication, on pose généralement la question « est-ce qu'il y a une campagne de pub ?» qui vous a marqué, si oui, laquelle, pourquoi. Et puis, c'est une invitation à regarder autour de soi et se dire « Ah ouais, tiens, celle-là, elle est pas mal. Tiens, celle-là, c'est quand même un peu de la provoque. Ah tiens, ça, c'est astucieux. Ils ont fait un jeu de mots, mais on comprend bien l'idée. » Et là, c'est très fort parce qu'il n'y a aucun mot, mais on est tout de suite saisi par l'image. Donc, le fait de s'intéresser concrètement à ce que font déjà les professionnels du secteur, forcément, ça, c'est un témoignage d'un vrai intérêt. En production, bah, c'est de suivre la tournée d'un artiste ou de connaître, je sais pas, dans un registre donné, les productions d'un réalisateur ou d'un réseau de distribution, ou suivre des séries. De documentaires aussi. Documentaires, voilà. Très bien, c'est noté. Peut-être la valeur ajoutée ou en tout cas l'identité de l'ISCPA, ce serait quoi ? L'identité de l'ISCPA, je crois que c'est une école qui réussit encore à conjuguer les valeurs un peu familiales, de proximité, avec les exigences professionnelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se faire de cadeaux, mais globalement, il y a une ambiance qui est tournée vers le marché de l'emploi et qui est positive et qui est encourageante. On n'est pas là pour démolir les gens ou leur faire comprendre qu'ils se sont engagés dans des métiers exigeant, on est là pour leur donner le goût de le faire avec le plaisir des professionnels qui viennent vraiment pour transmettre. Les professionnels qui viennent chez nous, ça devient, c'est pour eux, c'est une passion ça devient une passion d'enseigner et de transmettre le beau geste, leur savoir-faire aux générations qui arrivent. Donc on sort un peu du modèle, je dirais, scolaire, académique, dans lequel on essaye d'avoir une bonne note pour le bulletin. C'est pas ce qu'on cherche à faire et l'humain est très important. Et à l'ISCPA, l'humain est très important.
Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel, d'être venu. L'humain, vous l'avez dit, très important. Ce contact, je pense, le sera aussi pour ceux qui nous regardent. Avec plaisir. Merci à vous. C'est la fin donc de cette émission Rencontre, crush ou pas crush. Vous pouvez découvrir d'autres vidéos sur le thème journalisme, communication, marketing, mais aussi des vidéos sur le thème tourisme, hôtellerie, restauration et luxe mode design. Tout ça sur la chaîne YouTube de l'étudiant. À très vite.